Oui, bonsoir madame. Bonsoir. On ne vous présente plus, vous c'est madame Sylvie, ouais. Mais pour ceux qui ne savent pas, pouvez-vous nous parler du festival Yara? Ben, Yara, c'est la semaine internationale du premier film qui célèbre les premières œuvres des réalisateurs, que ce soit le premier ou le long. Il existe depuis 6 ans. Il est là avec un socle qui est la formation, formée. Et surtout, montrer aux enfants l'intérêt du cinéma par les annexes que nous avons comme les matins, petit déjeuner, cinéma. On a, par exemple, pour vous parler seulement de Yara 6, on a eu la journée femmes pour l'entrepreneuriat dans le cinéma, pour parler femmes, avec un atelier de formation en matinée, c'était le 27 au Hilton, et puis une table ronde. On a vraiment été enrichi déjà par les témoignages des réalisatrices, des difficultés que rencontrent, le fait qu'il n'y ait pas un statut, justement, non seulement pour les projets culturels et du cinéma, mais surtout pour la femme. En tant que femme, elle a les difficultés et bon, c'était vraiment un cri de cœur. Après, il y a eu un colloque sur la musique de film avec des experts comme Francis Diop, comme Alexander Gustave, comme Ruben Binam. Et j'en passe, nous avons été encadrés, côtoyés et enrichis par Gérard Essomba, le doyen, qui était là tout le temps, Richard Lobet, Alexandre Bichoka et bien d'autres encore que je ne saurais oublier. On a eu Gervais Djemeli, on a eu Thierry Tamar qui sont passés, leur film était là, ne serait-ce que pour nous instruire. Et ce soir, on a eu quand même la joie que Tatiana Matip a eu la meilleure interprétation dans le film camerounais, parce que nous l'oublions pas, le film de Thierry Tamar n'est pas son premier film, mais il était dans le focus du film camerounais pour la simple raison qu'on n'a pas assez de films de bonne qualité au Cameroun. Donc on le fait, et comme on a su que dans la sélection officielle, on pouvait le prendre, on l'a pris. Surtout, on a voulu honorer la femme, parce que bien que Yara ne soit pas un film de femme, mais il fait toujours un clin d'œil aux femmes dans ce domaine-là. Donc on est très fiers de... Voilà, c'était une surprise que le jury nous a fait et ça nous a vraiment beaucoup fait plaisir. Alors, Yara, comme je disais, c'est pour aider les jeunes camerounais et de la région Afrique centrale à côtoyer leur artère au goût du monde entier. C'est pour ça qu'il est international. À nouer des relations, des coproductions, ça permet qu'aujourd'hui, dans ce monde tellement ouvert, que les gens puissent maintenant avoir la technique et le côté artistique qui va avec. Parce que le cinéma, c'est un métier, le cinéma a des codes, et le code, il est universel. Certes, on a besoin d'identité. Jamais je dirais à un Camerounais de dénaturer son film. Mais il faudrait qu'on puisse quand même avoir la qualité en image, en son et en jeu d'acteur qui est vraiment un problème ici chez nous. Donc voilà le souci de Yara premier et les autres annexes qui sont, comme je disais, formation, et parce que c'est le cinéma, on se réjouit en même temps. Votre mot de fin et les conseils aux jeunes, ou bien les messages que vous pourrez additionner à votre commentaire? Ben, le mot de fin, c'est que les pouvoirs publics accompagnent les activités que nous mêlons, parce que nous sommes de la société civile, nous travaillons beaucoup, nous nous démenons pour que les choses comme ça se passent. Jusqu'à présent, Yara a encore pris 5 francs pour former un jeune, quelle que soit la discipline, et c'est très compliqué. On va pouvoir finir un jour peut-être mettre la clé sur le paillasson si on n'est pas soutenu par les pouvoirs publics, et si on n'est pas soutenu par les institutions qui nous gouvernent, et si on n'est pas soutenu par les entrepreneurs, les entreprises privées, parce que c'est ça, c'est eux qui portent le cinéma partout ailleurs. Je vous remercie.
François. Pour vous présenter à nous. Tatiana Matip, actrice et scénariste. Et formatrice. Quelle était votre participation à cette énième édition du Festival Yara? Sixième édition du Festival Yara, j'étais seulement maîtresse de cérémonie. Voilà. Vous avez brillamment lancé les activités. Oui. Et on vous a vu clôturer en beauté avec la réception de plusieurs prix. Ah oui, complètement étonnée moi-même. Merci déjà à tous ceux qui m'ont donné les prix, Brasserie, Corée du Sud, Air France, donc l'ambassade de France, la France. Je suis totalement heureuse, mais c'est encore plus, ça va plus loin parce que c'est une récompense depuis les 17-18 ans. Tout le monde au Cameroun sait que c'est Tatiana Matip qui Tatiana Matip joue bien, mais il n'y a jamais eu une occasion de me donner un prix. Et Dieu s'est décidé à me donner tout, enfin beaucoup de prix en un jour, en une soirée, voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Vous avez encore beaucoup de chemin, donc vous avez encore beaucoup de talent. Ce n'est que le début. Mes frères disaient, quand je parle de mes frères, je parle de Théophile Gouédé, le petit frère de Thierry Tamak, et précisément Thierry Tamak. Il disait, Tatiana, nous on a gagné des prix, mais on va tout faire pour te faire gagner un prix. Oui. Alors, en 2006-2019, ça fait 13 ans plus tard, voilà. Ne crains rien, je t'aime. Ils ont tout fait vraiment. Ils étaient là. Ils me grondaient même que non, c'est pour toi qu'on fait ça. Laisse-nous travailler. Allez, arrête de te fâcher comme ça là. Alors, je me fâchais pas, mais je me fâchais quand même après. Mais après, ils me calmaient. Mais après, ils me faisaient des bisous au front tous les deux. Ça va aller, tu vas gagner un prix, reste tranquille. Ben voilà, j'en ai gagné 3 là. À part ça, plus merci, signaler. Merci, merci à eux. Gros bisous à Thierry Tama et à mon mari aussi. Donc, gros bisous à Théophile Gouédé, à Thierry Tamak et à mon adorable mari.